avoir une équipe pluridisciplinaire auprès des enfants, essentiellement sur le quotidien, des auxiliaires de périculture et des éducatrices de jeunes enfants. On a également des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciennes. L'objectif est de permettre d'accueillir des enfants de manière ordinaire. D'environ 1 700 m² qui est destinée à accueillir 7 groupes d'enfants de 0 à 3 ans. Il va y avoir 5 groupes de 0 à 15 mois et 2 groupes de 16 à 36 mois. C'est un bâtiment en fait qui a été restauré. Il y a une partie originelle qui a été conservée et une extension sur l'avant de la pouponnière. Donc il y a 7 unités de vie qui sont toutes différentes les unes des autres, qui sont composés d'une pièce principale, une pièce de vie, d'une salle de bain aménagée et de deux chambres. Il y a aussi des espaces pour les professionnels, salle à manger, salle de repos pour les auxiliaires de nuit et puis des bureaux pour les coordinatrices qui travaillent avec nous. Alors, la pouponnière va accueillir 45 enfants et on sera autour de 80-90 agents pour prendre en charge tous les enfants.